Salut tout le monde, c'est Seijoki, on se retrouve pour cet épisode 106 sur Higurashi no Kokoroni ou le son officiel en français. Et donc dans l'épisode précédent, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé exactement ce que j'avais prédit, c'est-à-dire Akasaka a rencontré l'inspecteur Oishi et lui a donné un sacré pactole pour soutirer des informations au sujet de l'enlèvement du petit-fils du ministre Inugai. Et en l'occurrence, le fait est que Oishi n'a donc pas commencé à lui donner directement des informations sur le thème exact, mais a commencé par lui donner genre des petites informations sur le côté, sur le village en réalité, avant d'arriver au sujet. Et donc on commence en plein milieu de ces informations qui sont en fait sur le passé du village d'Yamizawa, c'est-à-dire quand il était encore appelé l'abysse des démons. Bon, et donc c'est parti. Oui, 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 4 indices d'un coup. Eh bien, on dirait que ça va être un épisode à indices alors. Donc, commençons avec le premier indice, c'est-à-dire la conversion avec Yukie. Donc, il me semble que c'est la femme d'Akasaka.
Donc petite discussion tranquille entre mari et femme. Donc bon, discours d'accueil pour le VI, pour un VIP. Tiens donc, qui ça pourrait être? Donc un discours du ministre Inugai probablement. Ok. Donc pour le coup, il y avait une partie sur Inamezawa qui était bon improvisée. Donc peut-être que voilà, il y avait déjà peut-être des petites pressions sur lui pour faire parler en fait du village. Mais bon, qui sait. Toujours est-il, on va passer donc à l'engrenage, l'incendie et le bonheur. Thank you.
Ok. Bon, c'était ok, ouais. Ok, trois exemples, mais tellement plongé dans la philosophie pour le coup, ça allait un petit peu loin, je trouve. Mais bon, soit, acceptons-le comme c'est. Donc le dernier, c'est le poussin du camion. Bon, bah alors on va voir ça.
Ok, donc là pour le coup, je pense qu'on a vu le kidnapping de la perspective du gamin en fait. Donc pour le coup, voilà, on sait maintenant. Bon, je veux dire, les malfaiteurs ont mentionné un clan principal, donc c'est probable que si jamais c'est vraiment en rapport avec Inamizawa, que ce clan principal dont ils parlent, et ce sont sûrement les Sonozaki, je veux dire, voilà, qui aurait. Sinon des hommes de main comme ça, voilà, sous bras. Je veux dire, si c'est en rapport avec Hinamizawa, c'est obligatoirement eux. Toujours est-il, on va pouvoir continuer pendant quelques minutes et puis on se quittera pour cet épisode.
Bon, et eh bien voilà qui est assez franc quand même comme pensée, mais bon, faut dire que j'ai dans l'épisode précédent, voilà, Oishi m'a vraiment beaucoup fait rire, mais surtout, voilà, moi je, voilà, beaucoup de personnes qui disent que dans Higurashi, voilà, qui détestent Oishi à mort, mais bon, je sais pas, moi au contraire, j'ai un peu de sympathie pour ce vieux policier qui a un peu roulé sa bosse quand même et qui est proche de la retraite en fin de compte, parce qu'il me semble que dans les trois premiers chapitres, il avait dit à un moment qu'il était à 2-3 années de la retraite, qu'il allait bientôt partir. Et là, ici, au début de ce chapitre-là, il avait dit que Oishi était à la retraite depuis un certain temps et qu'il s'était pas vu depuis 7 ans. Voilà, c'est voilà. Toujours est-il, visite guidée du village, on sait pas encore avec qui, mais voilà, on verra bien, peut-être qu'il va se faire visiter le village avec un doyen du village qui va justement le bassiner comme de la merde pour lui montrer que le barrage, voilà, faut absolument que ça s'arrête. Mais bon, on verra bien. Bon, et eh bien j'espère que cet épisode vous aura plu, donc j'espère vous retrouver très très bientôt pour la suite. Allez, salut, c'était Seth Joki.